Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Et bonjour, ça dépend de là où le temps, regardez vidéo ça. Ma point le soin pour que je sois capable d'enregistrer une petite vidéo ça, d'ailleurs, déjà l'année, on a carrément là. Ma partage une petite vidéo ça m'a venu en fonction des évolutions, situations que nous allons vivre actuellement. Il y a des phénomènes. Et nous sommes capables de dire qu'il a fait actualité, ou bien que nous avons fait surface ensemble avec eux, nous avons parlé là. Je vais parler des surfaces, ou bien des situations ça. Je vais parler spécialement de nous-mêmes, Haïtiens. Au niveau Haïti, nous gagnons question des insécurités, kidnapping, qui vraiment a fait parler de délits pendant les derniers jours. Mais nous venons par rapport avec les questions kidnapping, ça, question de sécurité, ça. Donc, objectif, nous, c'est pour que nous t'a quitté Haïti. Pour nous venir Brésil. Mais, c'est vrai, Brésil, pas de problème de sécurité, ça, en Brésil. C'est pas de problème de kidnapping, ça, en Brésil. Mais, Corona, l'essayant, nous t'es capable de dire un bagage qui est vraiment approcher Brésil dans le moment où on parlait. Peut-être au moins qu'il parle d'Haïti, il n'est pas vraiment connu en réalité, il n'est pas vraiment connu dimension Corona, les antennes au niveau ici. Et ceci dit, ça va faire mon peut-être les minimiser, même si en Haïti, ou pratiquement politiser question Corona comme question de politique. Mais est-ce que c'est même bagarre à tout, nous sommes capables de dire au niveau Brésil? Est-ce que Corona, c'est seulement une question politique? Corona, et nous pensons à tout le monde là, les gens en pleine politique, parce que le gouvernement a l'argent, l'opposition a l'argent, même au niveau Haïti, même capable de dire, Corona n'est pas tout simplement une question politique. Parce que moi-même, ma vive réalité, et je ne pourrais pas partager cette expérience ensemble avec nous, qui ça me fait comprendre en rapport avec les phénomènes Corona, non seulement au niveau ici, parce que ma vive lui. Mais entre avec le pays par exemple qui tout près non on a dit Argentine, Chili et Paraguay et je pense que c'est une situation qui est vraiment alarmante parce que on nous prend spécialement ici au Brésil comment situation qu'on a eu comment ça y est qui a mounio vivre les bon il y a deux groupes idéologiques en rapport avec Corona au niveau Brésil. Groupe présidentiel là, gouvernement, le gouvernement pas parler gouvernement en tout ensemble, parce que nous connaissons ici, et c'est un système et fédéral lié, ça veut dire chaque État a un gouverneur, ok, et gouverneur ça a un ensemble de prérogatives, il a un ensemble de lois que vous êtes capable de déterminer en rapport avec État et exigence dans la ville par loi, peut-être qui n'est pas applicable. Dans l'autre ville, il y a des lois qui sont très spécifiques dans une zone qui n'est pas applicable. Dans l'autre zone. Mais qui s'en est capable de tenir en gros? Bon, moi-même, en soi, et nous avons pas dit qu'on a laissé un mari qui est vraiment préoccupant au niveau Brésil dans le moment qu'il a parlé. Il n'est pas seulement préoccupant au niveau Brésil, il est une préoccupation mondiale, mais au même moment, le Brésil comme étant, et nous sommes capables de dire, un danger mondial, ça qui a ouais, avec Corona. C'est vrai, au commencement, le gouvernement n'a pas vraiment. Quand on a aussi vu, il fait toujours elle comme un club, etc., etc. Donc, ça fait que je vais te bailler et importance. Je t'ai supposé, bah, ça m'a appelé dès le départ. Donc, ça fait des négligences. Et à partir du moment où nous avons un mois de juin, qui était le premier pic qu'on donc, on dit qu'il est arrivé à 1100, 1200 personnes. Donc, il était commencé, il dit, bon, qu'on a, c'est pas sérieux. Mais par la suite, ça parle d'une diminution. Donc, c'est comme si toute bagaille était sérieuse. Malgré toute activité pour reprendre net dans tout pays. Mais actuellement, nous avons vu une deuxième phase, deuxième pic Corona, et elle est aussi plus grave parce qu'au commencement, parce que actuellement, le Brésil est déjà atteint 240, 2841 morts pendant 24 heures. Ça veut dire dans une journée. Donc, si tu as divisé 2841 morts dans 24 heures, ça aide ouais chaque inédit gain environ 118 moun qui mourent au Brésil. Chaque inédit gain environ 118 moun qui mourent dans le corona.
ça, alors, je viens parler des questions qu'on a. Je viens parler, c'est parce que, effectivement, au niveau en Haïti, il y a vraiment une quantité de monde, surtout jeunes, qui est intéressé pour quitter Haïti le plus vite possible, pour qu'ils soient capables de venir au Brésil, ou bien aller de l'autre côté. Mais moment présent, ne va pas être menti. Focus là, les sous-Brésil, parce que c'est Brésil qui baille, qui est plus facile pour nous venir. Malgré les pas facile, on dit plus facile par rapport avec et difficulté ou bien exigence, l'autre pays au fait monde. C'est vrai, nous comprenons ça, il y a des gens qui veulent quitter Haïti à tout prix pour que vous veniez au Brésil. Est-ce que c'est un bon moment pour faire ça? C'est pas vraiment des ça, je ne parle pas dans la vidéo ça. Mais, venez des gens qui comprennent, c'est vrai, en Haïti, nous avons une coutume, depuis c'est pour partir, nous voulons faire ça à tout prix. Quel que soit les prix, nous sommes prêts pour que nous payions et pour nous déplacer. Malheureusement, et moi-même, en tant que monde qui travaille dans le domaine voyage, qui c'est un propriétaire d'une agence de voyage, qui organise des voyages pour le monde, qui organise des vols pendant la période Corona, c'est un moment qui est vraiment difficile que nous connaissons, nous avons traversé. D'ailleurs, le business, moi, il y a pratiquement 2 semaines. Depuis toute porte fermée, par rapport avec des clients qui m'ont dit qu'il ne faut pas rester fermé, que pas même aller dans le business. Moi, quelques bagages peut-être me résoudre pendant la caille. Mais qui ça me aide de nous comprendre? Je dis assez vrai, ou même plus jeune, par rapport avec la situation difficile, économique, insécurité, qui est en Haïti, ou voulez quitter en Haïti pour venir au Brésil. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée du tout, parce que c'est sûr que le Brésil, il y a une possibilité pour qu'il offre un bagage que ou pas venir en Haïti. Mais est-ce qu'elle est facile dans mon voie pour mon fini brisé? Je vois ça m'a dit c'est non. Qui semble le comprendre? À chaque fois pour le processus pour venir Brésil, le gain ouais avec deux côtés. Le gain avec Haïti, le gain ouais avec ici Brésil. Si il y a une manifestation, il y a un crasé brisé, il y a levé campé au niveau en Haïti, ça capable de gouvernement Brésil, Brésil, tout bagage est stable dans un niveau normal considérablement, mais par rapport avec l'évêque campé qui est en Haïti, ça capable de bien effet sur le fonctionnement ambassade là, ça capable de rendre processus pour bailler un visa plus difficile. Même quand tout est en l'autre bord, Haïti capable de stable, tout bagage normal, mais vu avec crise sanitaire, économique tout, Brésil, les arrivent dans le moment, les rendent difficile processus visant pour moi capable de venir visiter. On a essayé de comprendre ça. Par exemple, lorsque qu'on a augmenté ici en pile, par exemple, c'est même passé ça, on prend un décret, par exemple, au niveau capital, à côté de Mia, on demande pour tout le bail fermé pendant 15 jours, l'idée est faite sous le mode fonctionnement ambassade Brésil. L'un des effets sur le fonctionnement de l'ambassade Brésil, on ne peut pas parler spécialement pour Haïti. Haïti fait partie, mais je veux dire, et je sais, quelle soit l'été au niveau des États-Unis, l'été au niveau d'Haïti, l'été Chili, ou bien n'importe quel autre pays, l'activité ambassade Brésil est pratiquement campée. Au monde qui est aux États-Unis, je veux dire, celle de je venais au Brésil, je ne peux pas recevoir l'ambassade là. Ce n'est pas un bagage qui est facile pour que mon avion ait visa. C'est seulement dans le cas d'urgence. On monde capable de faire un processus, par exemple, au niveau des États-Unis, ambassade Brésil, pour l'État qui a un visa. Mais malgré ça, ils admettent qu'il faut que le monde ait fait processus en ligne, mais j'aime dire que c'est dans le cas d'urgence. Donc, ce n'est pas un monde qui va avoir un visa humanitaire, un visa touriste pour qu'il entre ici, négatif. J'ai des services, ça n'est pas fonctionné. Il n'est pas fonctionné. Même genre au niveau d'Haïti, c'est vrai, dans la majorité des cas, nous connaissons les gens, même si on a un visa touriste, mais on va faire tourisme. Ils viennent pour que vous l'aidiez. Mais le processus pour que vous ayez un visa humanitaire et un visa touriste pendant la période, ma parler ensemble avec quoi, n'est pas facile. Et vous voulez nous comprendre ça. Il y a un monde qui est en charge pour gérer un peu son voyage pour un moment. C'est une grosse responsabilité liée parce que le processus n'est pas facile. Moi-même, et je connais ça et je parle avec un peu de monde qui est dans le domaine. Non. Pareil, vraiment, vraiment pas facile. Ça m'a demandé un peu de patience. Beaucoup de monde peut-être qui investit dans le domaine ça. Ça m'a fait un peu de patience parce que je dis à n'est pas seulement en question que ou pas mon encore pour le processus. Mais il y a une question que l'ambassade là, il a fonctionné, processus capable de faire.
supposer que un monde qui y a un processus qui est à faire. Alors que pendant le gouvernement, les bailleurs à travers les consuls, à travers l'ambassade, pour que le processus soit campé. Même si tu es capable de payer quelle que soit la quantité comme ou tu as voulu payer, tu n'es pas capable de faire un visa. Même si le dossier là, tu as pris un. Pour qui ça? On nous dit que le gouvernement a dit processus à campé. Il a campé activité d'ambassadeur temporaire. Je dis, est-ce que le consul là, capable de prendre responsabilité pour le bar mon visa. Il n'est pas capable. Si pas il y a une urgence pour ça, il n'est pas capable parce que faut lui prouver, gouvernement, raison qu'il va le bail visa. Non seulement pour consul là, c'est un problème, mais pour même monde qui recevra un visa, tout c'est un problème. Parce que, au point de un visa qui se tient avec contact, côté yo dit activité ambassade d'Akabé, il faut vous prouver qu'il connaît un visa ça. Et consul là, beaucoup de parle, qui bail mon visa, faut lui rendre compte. N'a qui objectif qui côté les mêmes les jeunes autorisations pour que les bâtiments ben n'aient visa parce que le gouvernement, il est clairement dit, activité au campé. Donc, si pas un sujet que nous prenons à la légère comme si depuis nous gagnons comme là, les suffit, non. Il y a un peu de monde qui pas même comprendre logique qui gagne la question pour l'État. Il y a un monde qui seulement, well, et si je dis à quelqu'un comme ça, tu peux dire le café parti, les achetons ticket et le voyager. Non. Et pas seulement ça. Même si c'est passé par Guyane, passé par Pérou, passé par Colombie, n'est pas seulement en question de acheter ticket, aller. Parce que passer Guyane, passer Pérou, passer Colombie, il n'y a pas quelque chose de bagaille qui arrive là-dedans. Ça arrive parfois, les gens viennent passer, autorité locale dans le pays, avant même de venir à destination, ils sont bloqués, ils ont des problèmes, ils vont retourner. Donc ça m'a dit, il faut ouvrir un ticket, ça m'a dit, il faut ouvrir un monde qui connaît et route ça, qui accompagne nous, ça m'a dit, il faut une réservation hôtel, ça m'a dit, pas quelque chose de planification. Puis difficile toujours, là où le fait, il y a un voyage légalement. Ça veut dire pour qu'on visa. Donc, processus visa, c'est pas seulement qu'il y a un cobla, qu'il y a un passeport, mais il y a toute une démarche qui doit être faite au niveau en ambassade là, et moi, je m'en qu'il faut. Ça qu'il y a un dossier en ambassade là, il y a un visa sur lui, ou pourquoi qu'il y a un visa? Parce que, conseil là, beaucoup signé pour qu'il y ait un niveau dossier. Même si le passeport a un visa, mon qui a pris le processus là, qui doit avoir un visa, mais passeport beaucoup sorti parce que pas de livraison. Donc, sans signer, tu considères le passeport pas qu'à sortir. Donc, c'est tout, on met des normes, c'est tout un chaîne, un enchaînement qui aboutit avec le processus ça et qui permet au monde d'être capable de voyager avec succès, avec tranquillité. Mais on me dit, nous, ça, sincèrement, dans mon moment là, spécialement, ça m'a dit un peu de patience. Ça m'a dit un peu de patience parce que il y a des gens qui ont précipité, qui ont baissé votre monde comme dans mon moment, moi-même, m'a dit au monde ça. Si vous avez un dans main, pour voyager, vous pouvez bailler, vous pouvez dans au monde, qui t'a fait partir, je vous conseille au fond de titane. Pourquoi livrer le cobre? Parce que quelque soit promesse qu'on a fait, normalement, pas dire impossible, non, mais je vous dis très difficile. C'est extrêmement difficile pour moi, une fois que j'ai un visa, normalement, n'a pas. Donc ça veut dire, vous avez besoin de patience pour que, non, est-ce que par exemple, moi-même, ma britaine, j'ai mis à business mon fermé. Ça veut dire qu'il faut que moi j'étais en avance même qu'à est-ce qu'il y a un autre décret qui va le permettre à ce qu'il y ait fermé business, yo, continuer à fermer? Est-ce qu'il y a un décret qui va le permettre à ce qu'il y ait capable de fonctionner partiellement? Pourquoi qu'on est? Moi, j'ai été en. Donc, ça veut dire, bah, il y a un couple de moments, il n'est pas uniquement solution, il n'est pas solution qui va faire partie. Puis, vous voyez là, nous avons besoin de patience, nous avons besoin d'observer, nous avons besoin d'être en, pour nous exiger, évolution bagaille pour aller et à partir de là, nous connaissons est-ce que vraiment nous sommes capables et dit la quoi planifier un voyage dans 8 jours, dans 15 jours, dans un mois de 20 jours. Mon qui peut-être a plus de chance, je veux dire, pour quitter Haïti pour entrer au Brésil, c'est mon qui peut déjà gagner un visa. Il y a plus de monde qui connaît qui peut gagner un visa. Peut-être on n'a pas bien compris d'acheter un ticket. Peut-être gagner un visa depuis 2 mois, depuis 3 mois, depuis 4 mois, depuis quelques jours, parce que nous connaissons depuis le mois de décembre. Donc, visa, ben, mon yo, c'est 120 jours, ça veut dire 6 mois de délai. Donc, ça, quand mon intérêt, c'est voir visa, qui est 3 mois d'amène, il y a 4 mois pour que je voyage. Parce qu'elle est pour que comme ticket. Mais pas où est mon voyage, jeudi, pour penser c'est jeudi, aller, le projet de voyage. Donc, ça fait au moins, on pourrait dire, ah, tu dois aller tout, parce que mais tel va aller. Non. Ou pas qu'on est, depuis combien de temps est-elle de gagner visa. Donc, en effet, et, je pense que nous avons besoin vraiment, vraiment prudent. En rapport avec les processus de voyage, parce que j'ai envie de là, il n'est pas un moment qui est favorable, il n'est pas un moment qui est facile, il n'est pas un moment qui est propice, ça demande patience,
ça m'a des compréhensions et ça m'a des un pile effort pour côté monde qui sont censés en charger pour les questions processus ça. Non, mais non, pile, et nous devons faire ça avant pour que nous devions comprendre la réalité, parce que moi-même, l'information, yo vraiment en pile. Les m'a regardé, par exemple, bien mon niveau, Chili m'a parlé avec eux. Si au Chili, ou besoin de sortir, ou besoin de gagner une permission que l'État bat pour sortir. Ça veut dire pas qu'on est levé, je vais mettre pour la rue pour sortir, non. Faut l'État bon une permission. Si vous voulez sortir, vous voulez un bagage. Si besoin 3 états, 4 états, vous bon permis pour 4 états. Ça veut dire pas qu'on fait 5 états, 6 états dans la rue avec. Permission, normalement, c'est pour 4 états. Vous avez accès pour prendre la rue pour 4 états. Même j'en ai quelques travaux spécifiques qui ne sont pas faits, mais si je travaille 5 jours pendant la semaine, il y a bon permis pour 5 jours pendant la semaine. Sixième jour, pas qu'à sortir, pas qu'à prendre la rue. Donc, on peut prendre la rue seulement avec permis qui va là. Ici, vous avez quelques zones qui ont des restrictions. Côté, on ensemble des délais, il n'y a pas permis d'assurer le monde pour la rue. Donc, si vous jouez dans la rue, qu'est-ce qui va passer? Automatiquement, vous payez un montant. D'un côté, montant les environ 2000 reais. Donc, 2000 reais, c'est comme 2 mois de travail. On peut recevoir ça, le minimum. Il doit faire 2 mois de travail pour le payer. Montant, ça va être une situation qui est facile. Et on veut notre patience, parce que c'est vrai, nous voulons partir, nous voulons partir. Mais, moment, pas propice. Merci tout le monde.